Bonjour, je suis Axelle Blampin, j'ai mon blog depuis bientôt 10 ans et j'adore partager ma vie quotidienne sur les réseaux, sur Instagram ou sur Twitter. Vous l'aurez compris, manger sain pour moi, c'est ultra important. Alors en général, je prépare au début de la semaine du quinoa que je garde dans mon frigo toute la semaine. Et puis en fait, pour faire cette salade, c'est tout simple, je prends le quinoa qui est là dans mon frigo et puis je vais venir couper un petit peu de feta. Et les légumes qui me restent dans mon frigo, cette fois-ci c'est des concombres, des tomates et un petit peu d'oignon. Alors une fois que tout est coupé en morceaux, je mélange ça dans un bol, j'ajoute le quinoa. Et pour assaisonner, je mets un petit peu d'huile d'olive, de citron, du sel et du poivre. En fait, j'aime beaucoup mettre du citron dans à peu près tout ce que je prépare, parce que non seulement c'est excellent pour la santé, mais ça vous aide aussi à mieux absorber tous les nutriments qui sont dans vos aliments. J'espère que cette recette vous aura inspiré. Si vous voulez tous les détails, c'est dans le lien juste ici en dessous. Et en attendant, bon appétit !